Oula. Oula. Attends, on a une voiture en panne. C'est quoi alors? Ah voilà, il y a un peu de sac, un peu de bonnet. Oh. Et là, faut freiner. Bon, là, on est à l'entrée du parc de la Tour Eiffel. C'est là où normalement ça va courir dans tous les sens. Ça va courir. D'accord. Okay. Cette rue Instagram, parce que tout le monde prend des photos ici. Je t'ai mis une caméra. C'est normalement toi qui cours le plus vite de l'équipe, il paraît. C'est ça. Donc, on sera en immersion avec toi. Moi, je vais essayer de te suivre avec mon vélo au maximum. Toi, tu m'as dit la technique, c'est que tu jettes le vélo et tu cours après. Voilà, quand on je va voir. Plus, bah, ça va être après, avec tout ce que je t'ai appris, t'essayes d'aller le plus loin possible avec ton vélo. Hein. C'est l'objectif. Hein. Allez, on va essayer. On va escalader les montagnes. C'est parti. Monte pas quand même tout en haut de la Tour Eiffel. Hein, tu sais que j'ai un vrai défi. J'aimerais monter avec mon trial en haut de la Tour Eiffel. Ah ouais, mais j'arrive pas à avoir les autorisations. Donc, bah, comme ça, tac, tac, tac. J'avais monté une tour Trinity à la Défense. Et j'ai cet objectif de pouvoir monter les escaliers de la Tour Eiffel, mais j'arrive pas à avoir les autorisations. Donc si un jour, voilà, petit message encore une fois, on négociera ça. On peut essayer de voir le directeur ou une autorité. Tu les connais? Peut-être. On s'entend mieux. En tout cas, avec la casquette de police, ça passe mieux. Voilà, ça passe tu pourras au moins rentrer dans les bureaux, quoi. On travaille, voilà. Ah, ok. Au moins récupérer une petite carte et après, j'essaye de faire le reste du boulot. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Let's go, immersion. Parc de la Tour Eiffel, c'est maintenant que ça se passe. Je vais bien mettre toutes les caméras embarquées parce que ça va aller très vite. Allez, on va voir. J'essaye de te suivre au plus proche. Excuse me, hop, attention, attention. Viens me voir. Regarde, tu cours. Il y a une barrière. Ça, je t'ai pas appris à faire un bunny up. Regarde, si je cours, je vais t'attraper. Yes, ouais, là. Ça fait le tour, voilà. Ça court. Ça court encore. Oh, il est tombé. Attends, on va aller voir là-bas. Pourquoi tu cours comme ça? Faut pas courir, tu sais, on est très bien. Allez, ça va? Ça va? T'es pas blessé? Assis-toi. Hein? Ça va? Ça va pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Assis-toi. Hein? Ça va? Ça va pas. Comment c'est gentil? Même lui, il est gentil. Ah bah c'est lui qui t'a attrapé, hein? C'est lui qui t'a attrapé. Non, même pas gentil. Mais oui, je suis gentil. Tu vois le problème? Combien de fois on t'a laissé? Voilà. À chaque fois poser le vélo, partir en fait. Ah oui, il y a ces trucs là. T'es arrivé toi? On a avec ça. Un VTT, ouais. Il va se passer quoi maintenant? Alors, du coup là on a appelé un véhicule pour récupérer le matériel qui sera par la suite détruit. Okay. On a récupéré l'identité de monsieur et puis on établira un PV simplifié en fait d'interpellation. Okay. Et puis monsieur sera relâché et reconvoqué éventuellement par la suite. Réellement il perd juste sa marchandise. Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. Il y en a pour cher là? Il y en a pour combien à peu près dans le sac? 300€. 300€ là tu viens de perdre. Et tu vas recommencer tu penses? De suite, t'as un autre stock et tu peux recommencer direct. J'ai beaucoup d'argent. Et nous, on fait comment avec clairement ça? Alors là, on le prend sur le dos maintenant. On a demandé sur les ondes, donc du coup, un véhicule pour qu'ils viennent chercher le matériel. Ah oui, donc du coup, là, les collègues là-bas viennent chercher le sac et ok. C'est la même brigade que la nôtre, sauf qu'ils sont en voiture aujourd'hui. Ok, du coup, on balance tout le sac. Hop. Ouais, voilà, il y a un peu de sac, un peu de bonnet, un peu de. Voilà. Qu'achètent les touristes. Typiquement parisien, on va dire. C'est le béret. Là, ça même des trucs aussi. Ah ouais, des chargeurs, des trucs. Okay, ouais. Exactement. Ouais, tout et n'importe quoi. Exactement. Ouais. On a fait une. Une en 5 secondes. Hein. Ah, en vrai, t'as pas besoin de trop chercher quoi ici. C'est hein. C'est... Du coup, Valentin il va récupérer son vélo puisqu'il l'a jeté avant de commencer à poursuivre monsieur. Et là, bon, on est reparti sur une autre opération. Hein. Franchement, ça a été rapide. Oh, le Valentin il est lancé là. C'est parti, le sprint est lancé. Là il y en a. Ah ouais, à gauche là. Bon, faut traverser la route, c'est chaud là. Allez, let's go, il fait les cuisses là. C'est parti. Ça court. À gauche. Là faut monter le trottoir. C'est bon, allô. Ça va? Reste. Oh putain. Attention. C'est dangereux là. Oula. Tu veux t'asseoir? Hein? La Tour Eiffel. Ouais, c'est ça.
95% du temps c'est les tours Eiffel. Hein. Ouais. Bon voilà, et de deux, on a chopé un gros sac de tour Eiffel. Nous avons la tour Eiffel. Hein. Il y a aussi du conseil. Il y a aussi ce rôle là dans la police, c'est de guider les gens. Là ils cherchent une voie de métro. On a fait que 1,5 km les gars. Il n'y a pas besoin de pédaler beaucoup pour intervenir. Bon, il y a pire quand même comme spot pour travailler. Ça va, niveau décor, on est pas mal là. Monsieur, monsieur, il faut pas rester là comme ça, d'accord? S'il vous plaît, tout de suite. Là, c'était quoi le problème? Stationne là, ça crée un gêne à la circulation pour le coup. Ouais. Et tu sais qu'avec le monde qu'il y a, je me suis dit, faut quand même savoir faire du vélo. Hein. Ah oui. Parce que là, faut slalomer entre les gens, faut pas leur mettre un petit coup de corne, je pense qu'ils vont pas trop aimer. Donc ouais, il y a quand même un petit peu de pilotage. Et un peu trialisant, tu sais, c'est un peu la... pas très vite, faut slalomer, l'équilibre et tout. Ralentir, accélérer. Il y a un vrai travail à faire. Quand même tout terrain en fait. Hein. Ouais. En fait, il faudrait vraiment des VTT quoi. Oh, il y a de la technique. Attends, on a une voiture en panne. Oh, il a mis le frein en ligne. Enlève la vitesse. C'est bon. Ah, mais c'est qu'il y a le trottoir là. Il est monté. Allez, je vous aide comme je peux. Hein. Attends, je vais pousser le vélo moi. Hop. Voilà. Nouvelle mission. Voilà. Nouvelle mission. Improbable. Ça fait partie de nos missions. Pousser. Tu vois, tu fais la prépa physique, c'est bien ça. C'est important, les cuisses, ça pense bien. Avec plaisir, monsieur. Voilà, quand on peut rendre service, on pousse les voitures. Bon, il y a pire comme métier quand même. Hein. Effectivement, je t'avoue que j'ai fait 5 ans en banlieue. Ouais. Et c'était pas du tout la même chose. Et puis j'ai fait de nuit. Ouais, ah oui. Là, Paris 7, Tour Eiffel. Ça va, ça va, il y a pire. On en est à 8 km là, à pédaler, ça va. 8. Ouais. On va en faire encore, là. C'est pas je commence à avoir un petit creux là. C'est vrai, c'est vrai. Il est quelle heure? Il est 1h48. Ah ouais, là on a raté le repas en plus. Retour stratégique, on appelle ça chez nous. Manger à la brigade, enfin. Au... C'est ça, voilà. Ouais. Et après, vous repartez l'après-midi? Après, on repart. Ouais. C'est samedi, là, on va faire deux parcs. Ouais. Connus pour voilà, la consommation de stupéfiants. C'est pas deux gros okay, ouais. Consommateurs, mais bon. Voilà, on va y faire un tour et puis à l'issue, on ira manger si ça te plaît. Ok, vas-y, go. Chercher les dealers. Équilibre. Voilà, bien en arrière, nickel. Voilà, on bosse là. Parfait ça. Oh, il y a eu un bon coach. Hein. C'est toi qui sais, ouais. On aura pas le nom. Bon, il n'y a personne. On a trouvé personne ici. C'est l'effet de la super patrouille ça. Ils viennent plus, ils le savent. Ça c'est une bonne idée, à défaut de trouver des gens, on va trouver une boulangerie ouais. Et t'as une brigade qui fait pareil que ça le soir et la nuit? Exactement, que ah ouais. Le soir. Et quelqu'un qui voudrait faire ça, il y a des formations en particulier à avoir, des diplômes minimum ou des choses comme ça? Alors pour adjoint de sécurité, enfin policier adjoint maintenant, il n'y a pas besoin de diplôme. Donc il y a un concours à effectuer et puis après validation de ce concours, vous avez 3 mois de formation. Ensuite, on a le terme gardien de la paix où il me semble qu'il faut un bac. Et en termes de salaire, on peut prétendre à combien quand on est dans ce poste? Gardien de la paix, stagiaire, on touche entre 2100 et 2300. Ok, ouais, c'est cool, c'est bien payé. C'est pas mal. Ouais. Et en plus, tu as le statut de fonctionnaire qui n'est pas négligeable quand même. Quoi. Je vous assure que c'est quelque chose de bien. Ouais. C'est cool de savoir tout ça. Tu vois si ça motive des gens de postuler ou quoi, franchement sympa. Faire du vélo en plein air, bon alors après nous là on a eu beau temps. Je pense que le faire en été ou le faire en hiver c'est déjà pas pareil. Sous la pluie c'est pas pareil. C'est invalide hein, je dis pas de bêtises. Je fais le guide touristique qui connaît rien de Paris mais... Nickel. Après l'effort, le réconfort. Ça c'est le meilleur moment, ça on l'a mérité. Attends, combien de bornes on a fait? 11,5 pour l'instant. Petite journée. Hein. Tu m'avais vendu 30 bornes, j'étais prêt, voilà. 200 grammes de riz cantonné s'il vous plaît. Bon, là on arrive, une voiture qui clairement gêne. Valentin, tu peux la pousser, non? Tu peux la pousser la voiture? Je vais la soulever. Ouais, il l'a décalé. C'est un transporteur en plus, non? Ouais, c'est... Il va se passer quoi là? Bah, dans un premier temps, on va verbaliser le véhicule. Et dans un second temps, on va essayer d'identifier le véhicule pour voir s'il y a rien dessus. Ouais. Et éventuellement le propriétaire du véhicule pour voir s'il n'habite pas dans les parages ou. Ouais. Il n'y a pas d'adresse. Bah, c'est ouvert. Bon, monsieur, enlevez vos mains. Non, jamais de votre vie. On n'a pas le droit, même si la voiture est ouverte, de rentrer dedans. Ah, c'est bon, ils ont réussi à l'avoir au téléphone. Ah. Voilà. Je porte les colis. Il a 100 000 là.
beaucoup de problèmes de stationnement. Là, il a eu quoi ? T'es verbalisé. Une somme de 35 euros. Okay. Là, il y a eu un petit accident. Tu peux enchaîner comme ça toute la journée, quoi. En vrai, si on s'arrête, on rentre jamais. Là, ils vont faire un constat à l'amiable. Il n'y a pas d'énervement. Ah oui, ils ont percuté là, juste. Ah oui, c'est ça. Okay. Okay. Et en plus, du coup, elle est sur la place stationnement. Du raison coup. Qu'il nous cause... Lui, il prend 35 euros à cause d'eux, en fait. C'est ça. Bon, allez, et notre chinois là, il refroidit là. Hein. Je vais tomber dans les pommes. Ouais, c'est clair, on a faim là. Et il est plus de 2 heures, on n'a pas mangé. Fouette, ah non, c'est embouteillage là. On se faufile. Ouh, ça passe tout juste là. Hop, hop. Nickel. À tous les coups, ils veulent pas qu'on mange notre chinois, tu verras. Ah bah ouais, livraison, ça bloque. En plus, du coup, tout le monde est descendu du bus, ils en avaient marre, ils sont restés une demi-heure. Et on va pas y arriver, hein, on s'arrête tous les 100 mètres là. On rentre dans la grotte. Après, une petite séance de muscu, hein, je vois qu'il y a des. Ah oui, c'est important. Il y a les haltères, il y a développé couché. Ça soulève lourd en plus, hein. On fera un concours de développé couché. On est reparti sur la tour Eiffel, du coup. Il va me négocier mon nouveau record. On va tenter. On va tenter d'avoir un contact à la tour Eiffel. C'est pas garanti. Là ici c'est le photoshoot. Nice. La célèbre rue des photos Instagram. On va retrouver nos potes, à mon avis, ils vont tous partir en courant là, regarde. Ok, on est en train de négocier déjà l'accès au bureau de la tour Eiffel. Tu peux rentrer pour l'instant. On peut ? Ok. On peut rentrer déjà. Là on est déjà accès VIP. Hein. Là on a déjà un accès privilégié. Ok, on est au pied de la tour Eiffel. C'est quand même dingue hein, ce qui est. Deuxième barrière. Incroyable. Ouais, il y a une directrice qui arrive pour rencontrer et écouter le projet. Bon, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. On a vu la sauvette, on a vu des gens mal garés, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Des gens encore mal garés. Et il y a d'autres trucs que vous faites ? Il y a une association, effectivement, dont je fais partie. C'est Prox Raid Aventure. Donc, c'est une association qui possède un domaine à Conteville où ils accueillent des jeunes... en difficulté ou pas, mais on peut faire des activités avec eux. Donc nous, policiers, on va faire tout ce qui est GTPI, des techniques d'interpellation. On va leur montrer pourquoi on a ça. Ah, vous allez dans les quartiers faire ça. C'est ça. Eux aussi viennent en immersion pendant une semaine avec nous. On dort avec eux. Okay. Et on leur montre en fait comment interpeller un individu, dans quelles conditions. Mais c'est pas la brigade, c'est vraiment ceux qui veulent de la brigade rejoindre cette association. C'est ça, exactement. C'est pas votre rôle principal, quoi. C'est mon rôle principal. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Bon, bah on attend... la directrice qui va nous rejoindre normalement pour négocier ce défi de monter tout là-haut avec un VTT. Peut-être un jour. J'ai lancé des perches plusieurs fois dans les vidéos. Hein. Ça s'est pas encore fait. Ça devrait le faire. Avec donc voilà, avec des pistes, il y a peut-être moyen. On va voir. En plus, il y a les JO bientôt là, ce serait magnifique. C'est clair, je te le souhaite. Mais si je dois monter avec un flambeau, c'est encore plus compliqué quand même. Il y a la pluie qui arrive. Bon, on a discuté un petit peu avec le responsable de sûreté. Il va falloir envoyer un meuble à la responsable communication maintenant pour parler du projet. Là, vous voyez à défiler, c'est qu'ils sont en train de rénover, au revoir, faire la peinture et tout ça. Donc, ça sera plutôt peut-être 2024 s'il y a quelque chose. Mais on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Vous voyez, il commence à pleuvoir un petit peu. Il vous a pas vu, regardez, il se cache avec ses tours Eiffel là. Je l'ai vu. Il vous a bien eu, hein. C'était une super immersion. Merci Valentin. Merci, merci à toi. Merci à toute l'équipe. Je reviendrai. Avec grand plaisir. Pensez à vous abonner. Ciao.